Marie Bochet puissance 4. La Française a parachevé ses Jeux paralympiques en décrochant une nouvelle médaille d'or, sur le slalom dames catégorie debout, dimanche à Pyeongchang lors de la dernière journée de la compétition. Elle a survolé la course entre les piquets serrés, en signant le meilleur temps des deux manches, pour s'imposer en 1 pied 55 pouces 46, avec une avance phénoménale sur la deuxième, la Canadienne Molly Jepsen, reléguée à plus de 4 secondes, 1 pied 59 pouces 59. Elles sont les deux seules à être passées sous les 2 minutes, la médaillée de bronze, l'Allemande Andrea Rothefuss, terminant avec un temps de 2:00:08. Avec 4 titres, descente, super G, slalom géant, slalom, en 5 courses disputées dans la montagne sud-coréenne, la skieuse du Beaufortin, en Savoie, égale sa moisson de Sochi en 2014, déjà exceptionnelle avec 4 titres, descente, super G, slalom géant, super combiné. 8 titres paralympiques pour Bochet. Marie Bochet, née avec une agénésie de l'avant-bras gauche, conforte à 24 ans son statut de sportive française la plus titrée aux Jeux paralympiques hivernaux, avec 8 médailles d'or. Elle avait aussi éclaboussé de son talent les mondiaux 2013 et 2015, avec 5 médailles d'or à chaque fois dans toutes les épreuves du ski alpin. La France a obtenu un autre titre dimanche à Pyeongchang. Grâce au relais 4x2, 5 km Open Messieurs, composé de Benjamin Davier, Anthony Chalencon et Thomas Clarion avec 20 médailles, 7 d'or, 8 d'argent, 5 de bronze, elle termine 4e nation au tableau des médailles.